Salut à tous, c'est Darkluck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Sky of Timer. Regardez-moi ce flou. J'ai pas trop la classe comme ça. Alors, aujourd'hui les amis, vous l'avez vu au titre, on va se faire la ferme à mobs. Ou du moins, on va essayer. Parce qu'au moment où je vous dis ça, je sais pas si j'aurai de quoi faire tous les outils nécessaires. Mais en tout cas, on va essayer. Avant toute chose, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à like, partage, commente, abonne-toi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oublie pas les réseaux sociaux dans la description. Alors, chose que je vais faire avant tout avec vous. Ça, je vais le faire avec vous parce que vous le savez. J'ai toujours été transparent avec vous. Je ne vous cache rien. Et il se trouve que même après une désinstallation, réinstallation, et tout ça, je sais pas pourquoi je ne peux plus aller dans le Nether. Dès que je veux aller dans le Nether, ça fait crash le jeu. Peu importe ce que j'essaye de faire, ça fait crash. Et comme pour faire la ferme à mob, il me faut absolument un drop of evil, et ben je vais devoir me le give. Mais du coup, ça m'embête, mais voilà, je suis obligé de me le give. Mais je le fais avec vous parce que vous le savez, j'ai toujours été transparent. T'es qui toi? T'es un méchant? Oui, t'es un méchant. Oh, vu comment il m'a attaqué. Alors, vous avez vu, je vous avais dit hein, que j'allais tout setup. Donc voilà, j'ai mes Stonework Factory qui sont setup. Donc là, on va se mettre l'importeur. Et là, tout simplement, on lui relie les câbles. Et lui, ce qu'il va faire, ben voilà. Vous voyez, c'est qu'il va tout me mettre dans mon Refined. Vous voyez, j'ai bookmark ce que j'avais besoin. Et je vais avoir besoin de tout ça. Alors, je sais plus si j'avais déjà commencé. Non, j'ai pas de mob grind utile. On va devoir se faire ça. On va devoir se faire ce qu'on peut. Alors, pour faire le mob masher, il me faut les diamants, le bloc d'iron, le bloc de redstone. On peut se le faire. Il me faut des spikes. Et donc, pour ça, il me faut 2 spikes. Donc, il me faut 6 swords. Donc, j'ai le mob masher. Je peux l'unbookmark. Il me faut ceci. Est-ce que j'ai des blocs d'iron? Oui. Donc, ça va être pour éviter que les Enderman se barrent. Donc, ça, je peux l'unbookmark. Ah, mais j'ai pas. Il n'y a pas de tinted glass? Sérieux? Reinforcer de glace. Et il me manque quoi pour faire ça? La glace. Il me faut obligatoirement de la dirty glace. Il faut juste que j'aille chercher de la full sand. Bon, je sais pas si ce sera assez. On va voir. Mais en tout cas, il me faut ça parce que c'est weatherproof. Donc ça veut dire que ça peut pas être détruit. J'ai avancé un petit peu au niveau de mes petits poulets. Hein. Vous avez vu, j'en ai fait quelques-uns. Du black quartz chicken, yes. Ça, je l'avais pas encore, celui-là. Donc du coup, j'ai ça. Il me faut des mob fans. Mob fans ou vector plate. Les vector plates, il me semble que j'en avais quelques-unes. Ouais, voilà, j'en ai 64 en fast vector plate. Mais pour les mettre en extrême, il me faut de la wither dust. Et le problème, c'est ça. On se contentera des vector plates que j'ai déjà. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille dans la dimension du fight. Bon, allez, dis-moi que c'est pas buggé, que ça va pas faire crash le jeu. Non, ça ne fait pas crash le jeu. J'ai pas encore de quoi faire, de quoi avoir des enderballs. Ouais, je sais, j'ai dit enderball au lieu d'enderpearl, mais vous avez compris. De trouver un enderman. Et mon jeu vient de cracher. Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ben, ça fait crash aussi quand on va dans la Hunting Dimension. Donc, du coup, je sais pas comment je vais avoir mon Underpearl. Il y a l'Underpearl Chicken, mais il me faut le Diamond et le Netherwart. Peut-être en avoir dans les loot bags des Underpearl. Mais ça m'embête parce que j'aurais préféré les Kappa bags. Oui, je peux en avoir dans les loot bags, dans les blancs, les verts, les bleus, les... Ouais, dans tout ça. Giga Pickle Seed. Ah, une Underbull. J'ai les hoppers, ça c'est une chose. Maintenant, il va falloir ceci. Ça, j'en ai pas besoin du coup, puisque je vais utiliser les Vector Plates, mais il va me falloir ça. Mais ça va être le plus long. Il me faut 40 Iron Swords. Combien? Voilà, j'ai mes 10 Mob Masher Upgrade. Celui-là, oh, flemme de les faire. Et puis en plus, j'en ai des Iron Helmets, il les prend pas en compte, donc ça, bon, en vrai, tant pis. Je le ferai plus tard. On va déjà se faire la ferme à mob. Alors, il va me falloir 25 blocs de dirt. On va prendre un peu de bois. On va aller se mettre... En vrai, j'aimerais bien qu'après tout soit importé. Donc, je vais faire en sorte de relier ici après avec l'importeur. Et ça, le fait de faire la ferme à mob, ça va me servir à avoir des loot bags aussi. Donc là... Mince. Vite, 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 vite. Ah bah ça m'a... On va éviter de se scratcher. Ah bah si, ça m'a fait scratcher quand même. Alors ça, c'est pas très cool. Et ma tombe, elle est là-haut. Voilà, ça c'est pas très cool, hein, ce qu'ils m'ont fait là. Du coup, est-ce que j'aurai assez? On va le voir. Et on espère que c'est... Oui, ça a l'air de pas laisser passer quoi que ce soit. Il me faut au moins 3 de hauteur. Je vais devoir en faire. Voilà. On va voir si c'est assez, on verra bien, hein. Non, ce sera pas assez parce qu'il m'en faut déjà 25 rings pour le toit. Là, je vais placer tout de suite les plates parce qu'en vrai, il n'y a plus que les plates à placer. Après, je peux refermer. J'aurai plus que le trou à faire.
Je vais faire plus grand, je vais agrandir de... Faut quand même qu'il y ait de la place pour faire spawn les mobs. Hein. Maintenant on peut faire le contour, donc il va me falloir encore plus de ça. Il va vraiment falloir que j'apprenne à faire les crafters. Bon, ça me rassure de savoir que ça spawn déjà. Ah, lui il va mourir d'entrée de jeu, hein, le pauvre. Je vais foutre mon absorption hopper ici. Ouais, il prend pas toute la zone, donc il va me falloir un upgrade. Donc il va me falloir ceci. Oh, il me faut encore des underboules. Est-ce que je peux le mettre là-dessus au moins? Ouais, je peux mettre l'importeur là-dessus. Voilà, comme ça, lui, il va me récolter les objets. Tout ce qui va venir de la ferme à mob va aller directement ici. Alors lui, il va falloir que je lui donne ça, forcément. Voilà, comme ça, le creeper qu'il y avait dedans, il est déjà décédé. Ça, c'est une chose. Après, il va falloir que je récupère l'XP, donc il va me falloir des tanks. Est-ce que j'ai déjà des tanks? On va faire celui-là. Comme ça, lui, on va le mettre ici. Et toi, c'était West, je crois. Donc, il va me récupérer mon XP là. Et là, maintenant, on peut faire... Boum! Et là, ça va spawn. Et je crois que ça laisse passer la lumière. Le truc, c'est que si je vais dedans, je vais me faire smasher. Ça spawn pas, donc il va falloir que je fasse cette dark glass. Donc, pour l'instant... Par contre, ma vector plate, il me l'a récupéré ici, du coup. Et donc, bon, ça va, la lumière, ça ne fait pas passer, enfin, ça ne brûle pas, mais ça empêche le spawn. Donc, il va me falloir les dark glass. Et donc, j'avais dit, pour les dark glass, il me fallait le chicken machin bidule. Ah, et celle-là, je peux voir au travers. Ça, c'est cool. Donc, je pourrais voir les mobs se faire défoncer la tronche. Yes, je peux lui dire start. Et donc là, il va d'abord tout crafter. Il va crafter tout ce qu'il a besoin. Alors, j'ai pas le monitor pour vérifier où il en est. Mais il va tout crafter et une fois... Ah bah voilà. Il m'a fait mon 64 storage. Et donc ça, il faut que je l'associe avec une storage housing. Et voilà. J'ai plus de stockage. Bon, j'ai que 64K en plus, mais c'est pas mal. En même temps, celle-là, pour la crafter. Donc ouais, ce sera pas pour mettre... Oh bah au passage, j'ai complété une quête. Et j'ai loin un magnet. Cool. Normalement, là, avec ça, ça va laisser... ça va pouvoir faire spawn les mobs, j'espère. Parce que si ça bug, si même avec ça, ça marche pas... Pas, je vois pas... vous avez vu, rien que le fait d'avoir fermé le toit. Boum. Ça spawnait un peu plus déjà. Là, ça va commencer à spawn. Je mets ça pour pouvoir claquer ceci. Je peux pas le poser là-dessus. Sérieux? Ça va poser problème par contre. Et ça veut dire que les Enderman, techniquement, peuvent se barrer. Bon, même si en vrai, ils se font tuer instant. Hein, donc, Alors le truc, c'est que j'aurais bien aimé... Parce que là, les loot bags vont atterrir là-dedans. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pas que je le mette directement dans Refind, mais que je mette un chest, plutôt. Et de ce chest, je mette des câbles avec un, avec une priorité pour aller vers le bag opener, enfin le bag... Vous avez vu, il s'est fait exploser, mais il a voulu se téléporter. Donc je disais, il va me falloir des câbles beaucoup plus rapides. Donc je vais essayer de voir ça en off. Je vais essayer de voir ce que je peux utiliser comme système de câble. Voilà, bon, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dark Luke, salut, salut. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok?